Je travaille dans une grosse usine automobile japonaise près de Valenciennes dans le Nord. J'y suis ouvrier dans l'atelier d'assemblage. Bientôt, tout un tas de politiciens vont nous expliquer à l'occasion des élections européennes qu'il faudrait choisir entre pour ou contre l'Europe. En tant que travailleur, on n'a aucun intérêt à entrer dans ce faux débat. Car tous ces partis, ces politiciens, qu'ils soient pro ou anti-européens, veulent nous faire croire que nos emplois, nos salaires, nos pensions pourraient être protégés par des frontières hexagonales ou européennes. Mais on est combien dans le pays à travailler pour des entreprises japonaises, américaines, allemandes, belges? Qu'est-ce qui arriverait à toutes celles et ceux qui travaillent chez Toyota, Amazon, Coca-Cola, Bridgestone ou dans les magasins Lidl si le protectionnisme était appliqué et les frontières fermées? Quand on est ouvrier, employé, technicien, fonctionnaire, au chômage ou retraité, surtout dans cette région du Nord où on vient de Pologne, d'Italie, du Portugal ou du Maghreb, que l'on puisse circuler librement en Europe sans être arrêté par les frontières, ça nous semble un droit élémentaire. Et notre problème n'est pas de rajouter des obstacles. Notre problème, ce sont ces actionnaires, ces grands patrons, ces banquiers qui mènent une véritable guerre sociale au monde du travail en s'appuyant sur l'État et sur tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique. Nos conditions de vie reculent pour qu'une poignée de capitalistes deviennent plus riches. Ça ne doit plus durer. Nous, les travailleurs, nous avons les moyens et une force sociale suffisante pour nous défendre. Et cette guerre sociale, on aura les moyens de la gagner si on se fixe pour objectif le renversement du capitalisme.